Bonjour VOD. Je lance la VOD, mais Enville a quasiment fini le jeu sans moi. Super. Oh mais quel cinéma celle-là. Oh, regardez tout ce qu'il a fait. Il vient à peine de lancer le jeu là. Il a commencé un étage. J'ai construit trois conneries, qu'est-ce qu'il me raconte. Là il a fait des barricades. Oh, seul. Merde. Il a fait des barrières un pont. Tout seul. Et il a même fait des pièges. Tout seul. Va me chercher de l'herbe. Tout seul. C'est déjà fini le jeu, à quoi bon. Salut Cédric. Du coup, je t'ai même pas dit bonjour Cédric. Je t'ai dit merci pour le tips, mais je t'ai dit même pas bonjour. Merci Cédric. Bon, il faut de l'herbe, Lox. Tu veux jouer, hein? Tu vas assumer de jouer. Parler d'Indiana Jones en disant que tu connais pas, là. On parlait d'Indiana Jones, moi c'est vrai qu'après j'ai pas beaucoup d'avis sur le jeu. Je me parle pas. Comme toi d'ailleurs. Tiens, si, moi j'aime beaucoup. C'est un très bon film. Je t'ai jamais vu parler d'Indiana Jones de toute ta vie. Oui, bah c'est un peu vieux, faut dire. Bah c'est ça, c'est ce que je disais. Je dis, moi c'est pas trop ma génération. Mais ça n'empêche que. J'ai loupé le coche. Ah, donc t'as vu The Mask il y a 15 ans, t'as bien aimé, non? Ah, The Mask, c'est quand même plus entré dans les années 90-2000. Pas pour ça que c'est un mauvais film, pas parce que c'est vieux. Ah, mais je dis pas ça, je dis que. Forcément, attends, un peu, laisse-moi parler, c'est lourd. Un petit peu. Quand c'est pas un film de ta génération, comme je sais pas, comme ce sera le cas de Harry Potter, qui plaira plus des masses là aux gens de maintenant, parce que c'est vraiment la série de films d'une génération des années 2000-2010. Bah, Indiana Jones, c'est 80-90, et c'est que je suis un peu passé à côté. Toute l'ambiance 80 des films comme ça, moi, ça me parle pas beaucoup, puisque bah, je suis pas ancré dans ce contexte. C'est honteux. Ce qui est beaucoup moins le cas de The Mask. The Mask, c'est quasiment un cartoon. Évidemment, quand t'es gamin, quand tu regardes ça, tu trouves ça trop bien. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais. Non, je dis que ce film est ancré dans une génération. Ce jeu. Et que, bah, voilà. Forcément, si t'es pas de cette génération, ça te parlera moins. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, Pavolo. Indiana Jones, quand même. Watch where you stick that nose, Weevil. Non. Ça me fait mal un peu. Ça blesse un peu. Oui, t'es parlé d'Harry Potter parce que j'aime pas du tout. Alors je parle un petit peu de ce que je veux en fait, Cash, parce que c'est un petit peu mon stream. Et ensuite j'en parle en n'étant pas du tout fan de Harry Potter. Mais j'en parle parce que je trouve que ça se compare bien. Dans le côté ancré dans une génération, je trouve que ça colle bien. Je t'ai amené les herbes là-bas. J'étais là-bas. Super. Le petit truc d'herbe pour le remplir. Le petit truc d'herbe. C'est parti! Elle contourne, c'est rigolo. Mais y'a pas de. Okay, tu fais F, tu le trimbales avec toi il faut aller un peu plus loin. On va explorer là! Toutes les herbes du coin, je les ai déjà prises. Bah oui, je vois ça. Parce que t'as quasiment fini le jeu sans moi. Mais non, j'ai juste avancé un tout petit peu la base, ouais, de 1 millième de pourcent. Et j'ai fait ça justement pour gagner du temps pour pas avoir à le faire. Merci Echo pour le follow, j'ai vu l'alerte tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps de lire. Remercie-moi. Du coup j'attendais de on voir me dans remercie. Le. Oh, fait chier. J'attendais de voir dans le chat le pseudo. Merci beaucoup pour le follow. Moi j'attends. Hop là. Oh, by the way, en ce moment j'essaye de les remater. De quoi? T'as un peu vieilli, dis donc. Hein. De quoi? Pas au niveau effets spéciaux, étrangement. De quoi? T'as un peu vieilli tout court. De quoi? Harry Potter. Ah ouais? Parce que je veux les remater tous avant que Hogwarts Legacy sorte. Alors, je sais que ça aura aucun intérêt dans le jeu de toute façon. Si tu connais les bases d'Harry Potter, tu peux jouer à Hogwarts Legacy. Ouais, mais il y a plein de rêves que t'auras, forcément, c'est plus intéressant. Après, voilà, il y aura peut-être des rêves, des trucs et tout. C'est mais sûr. Pareil, je suis pas non plus un passionné de lore et je suis pas au point de chercher les petits rêves au poil de cul. Donc, je sais pas si ça m'aidera beaucoup, mais c'est plus par le fait de me remettre dans le bain. Parce que, bah mine de rien, même si Harry Potter c'était chouette quand on était gamin. Après toutes ces années, moi je suis un peu sorti du truc quoi. Je suis un peu sorti du truc. En tout cas, on te trouve chiant. Hein. Ouais. C'est à cause de toi ça. Ah, je pense que c'est à cause de toi-même. Non, non, non. Vous savez pas ce qu'elle me fait subir. En live, elle fait la gentille et tout, mais alors je peux vous. Rendez-vous compte hein, quand même à quel point. Elle me fait attendre, elle me met la pression après pour qu'on joue. Le mieux temps. Hogwarts Legacy, j'attends de voir moi. Parce que j'ai jamais été de très grande fan effectivement de la licence Harry Potter.
Et du coup, on verra ce que ça va donner en tant que jeu pur Hogwarts Legacy, je trouve. C'est surtout ça. Je vais voir le gameplay, tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, de ce que j'ai vu du gameplay, c'est qu'il faudra pas s'attendre à des combats à la Elden Ring. Ah ouais, putain, les combats. Pourtant, ça avait bien commencé, parce que en fait, au début, ils ont montré des vidéos de gameplay, sans trop en dire. Oui. Moi, le gameplay, c'est ce que je redoute le plus dans Hogwarts Legacy, parce que bon, déjà le combat à la baguette, ça n'a jamais été passionnant. Enfin, c'est dur de rendre ça passionnant. Ça, à la limite, mets pas de baguette, fais des gestes, fais des sorts, ça a plus de gueule, je trouve. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est l'univers, c'est l'histoire. Et le problème, c'est que j'ai vu les combats à la baguette, finalement, oh, les premières vidéos qui sont sorties, ça avait l'air sympa. Genre, tu trouves ton sorcier, il se fait entourer par 2-3 ogres, par un gros démon, un truc badass, enfin, plutôt des genres de sorciers ou quoi. Et tu te dis, ah, mais et tu peux faire une esquive. Donc, t'as la possibilité dans le jeu de faire une esquive. Donc, t'as sûrement une barre d'endurance, etc. Je me souviens plus des détails. J'ai pas trop vu, j'ai surtout vu. Ça peut être. Bah, ça peut être un boss fight, enfin des jeux à boss fight. Bon, alors, jamais aussi difficile qu'un Souls ou quoi, mais ne serait-ce que si ça s'en rapproche, ça peut être cool. Le problème, c'est que je vois, il se fait attaquer par deux énormes, j'aurais dit des ogres ou des trolls. Il se fait attaquer dans la vidéo que j'ai vue par deux trolls. Et tu te dis, putain, ça va être chaud. Il esquive le premier, les deux trolls le chargent et tout. Il tape une esquive, machin. Et tu te dis, ah putain, ça se trouve, ça va être dur. Il va falloir faire plein de sorts. Donc ça rentrera à des coups. Tu veux en aller où? Mais attends, j'y viens. C'est non, j'ai oublié de quoi tu parlais. Bah, de ça, du combat. Et finalement, il lance un sort sur un ogre et le one shot, littéralement. Du coup, il reste l'autre. Et tu te dis, et c'est là où tu te dis, merde, ça fait chier, puisque ça se trouve, ben. Il n'y aura jamais vraiment une difficulté dans les combats, voilà. Alors après, je me dis, il reste les énigmes. Est-ce qu'ils vont faire comme les Harry Potter d'avant, ou comme pourrait être un Zelda, c'est un petit peu des endroits où tu as des énigmes. Ça peut être sympa, les jeux énigmes, c'est souvent cool. Enfin, si c'est bien fait, bien sûr. Mais ouais. On verra, je sais pas trop, j'avoue que... Malgré ça, j'ai un peu l'ennui. Parce que je pense que de se balader dans le jeu, ça sera assez cool. C'est pas. En fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y avait pas du tout de multi compris, bah ça m'a quand même ultra refroidi, quoi. Ouais. Parce que je trouve que c'était. Je sais pas, je vois pas d'intérêt au multi. Enfin... Non, je ferai pas de game avec Evie Uber Hugo. Là, pour le jeu de survie. On fait ça en petit comité, de toute façon on peut être qu'à 4 hein, dans un jeu comme ça. C'est plus dur à 2, c'est sympa là, c'est un peu... À 2 c'est bien, franchement à 2 c'est bien je trouve. C'est un seul en quoi ? C'est un peu long pour toutes les tâches fastidieuses. On a un seul en argile nous là. Et sinon, ce qui me permettait... Sinon je prends une palette. Ah, c'est pas de l'argile ? Ah l'argile, tu connais la couleur de l'argile quand même. Certes. Mais non, mais je ne sais pas à quoi ressemblent les matériaux en argile, en fait, on s'en fout de la couleur. L'argile, c'est toujours un sable très rouge, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est une pierre bougeante, mais c'est une pierre oui. Quand on la récolte, ça ressemble à des cailloux, donc en soi... Des cailloux rouges. Mais non, mystère là, condescendant, là. Tu sais à quoi ça ressemble, ouais, c'est en vrai, fait, c'est l'argile, vrai. Espèce de demeuré. Enlever descendant. Je pensais que tu savais, ça va, dans tous les jeux c'est pareil. Ah mais oui, mais je m'en fous en fait de quoi ça ressemble. Dans 1000 jeux, désolé, hein, dans les jeux de survie, on ne fait pas forcément chier avec la couleur des pierres. Hein. Bah excuse-moi si le jeu est réaliste. Enfin vraiment. Mais voilà, c'est un seul en gravillon. Et un peu d'argile aussi. On voit des lueurs rougeâtres. Rougeâtres. En vrai, il y a besoin d'un argile pour le faire celui-là, je sais pas pourquoi. Mais par contre, l'argile pure, il en faut genre 8. C'est genre. Laisse tomber quoi. C'est comme au début, je voulais faire les murs en palissade. Chaque mur, c'était 8 branches de. Ah ouais, c'est vrai ça. Dans Minecraft, l'argile est grise. C'est vrai ça. Complètement vrai. Ouais, bah excusez-moi si Minecraft c'est un mauvais jeu. Quoi ? Non plus, tu peux même pas dire ça sans trembler des genoux. Et puis j'ai jamais vu des cochons carrés dans la vraie vie. Hein. Ça peut exister au Japon. J'aime bien faire des trucs carrés. Ouais, genre des pastèques. Vrai. Genre des chats. Hop là, on a de la bouffe. C'est vrai que le fruit au Japon, c'est plus un art, c'est un beau cadeau à offrir. C'est pas... C'est le problème des îles comme ça, où en plus pas beaucoup de terres cultivables, enfin exploitables.
Forcément. Au Japon, c'est vrai que le fruit, c'est ça. Tu vas l'acheter pour l'offrir et tu vas essayer d'acheter le plus beau fruit que tu vas trouver ou le faire toi-même d'ailleurs. Un café, bon café. Et leur donner des formes carrées. Et bah, tout c'est ça. Comme quand t'as facastilleté. Genre, à un moment, ils montraient des fraises. Et les fraises, ouais, elles sont emballées une par une comme des chocolats. Ah la vache. Genre, c'est vraiment un truc de fou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais poussé dans le jeu. J'étais poussé par un truc. Un truc qui t'a. Qui est tombé dessus? Il y avait rien derrière, non, il y avait R, j'étais au sol. Bah t'es un peu un taré. On t'a été chercher de l'air, Blox? Oui. J'ai mis une palette là-haut et j'ai commencé à tout remplir. Ah mais c'est bien, Lox. Bah oui. On explorera quand? Faut qu'on trouve une... de la Valinerie. Oh là là, c'est toi. Je lui ai dit aujourd'hui, hein. Il vit tout intensément, mon frère, c'est ridicule. À un moment, je lui dis... Je vais pas lancer le live avant 21h. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quoi? J'ai fait, mais what? Il était 20h59. Oui, mais ça faisait déjà qu'on attendait, donc quand elle rajoute... Il était 20h59. Ouais, 58 même. Mais du coup, c'est... En fait, le truc, c'est quand ça fait des... Non, on est qu'en troisième... C'est notre troisième soirée dessus, et la première, on y a joué genre 1h30, un truc comme ça. Donc en vrai... On a recommencé en plus hier. Et on a tout recommencé notre base hier. Donc en vrai, non, on n'a pas... On est même allé sur un autre serve et tout. Bah non, mais c'est quand même notre troisième soirée sur ce serveur-là. Ah ok. Non, les dernières Nilou, elles sont là. Elles sont tranquilles, elles sont au calme. Ouais. C'est méchant, tu sais. Bon. Si. Non. Mais là, elles font dodo, elles sont toutes sympas. Oui, mais c'est méchant, les araignées dans le jeu, ça attaque tout ce que ça voit, alors que jamais dans la vie, en vrai. Bah, dans la vie, ça attaque les... Ça fait pas chier le monde. Ça attaque les... la bouffe. Mais nous, on est de la bouffe. Ah oui, mais elles ont pas faim tout le temps, stop. Ouais, c'est vrai. Ça m'énerve dans les jeux. Bah oui, mais c'est comme les T-Rex et ou tout. Les mobs sont passifs ou sont agressifs, mais peuvent pas varier. Résistance empalée et frais, c'est quoi frais? Ah, il y a des trucs de froid. Attends, mince. Je crois que les araignées sont sensibles au poison. Regardez. On est assez peu d'insectes résistants au poison, de manière générale. Mais bah, elles en avaient un peu rien à foutre, les coccinelles, je crois. Ah non, mais il y a pas écrit poison. Faiblesse, si, coupe, ça... tailladée, si, ça épicée. Dotait. Épicée. Ça la dotait, mais c'est que ça semblait un peu long, quoi. Ouais, j'ai vu ça aussi, épicée, mais ça veut dire que dans le jeu, tu peux peut-être trouver des épices, et genre, tu sais, ça les défonce, quoi, ça leur fait mal. Êtes-vous un grandin, c'est abusé. Mais pour le moment, on n'a pas d'intérêt à attaquer les araignées, en fait. C'est pas... Oh, il y a le corbeau, là. C'est sûr, il y a l'ombre du corbeau. Là, pour le moment, faut qu'on attaque des coccinelles. Ah, voilà. Ouais, là, c'est coccinelle notre objectif, et c'est ah ouais, voilà, bombardier. Pour renouveler nos outils. Parce qu'on a toujours pas les nouveaux outils, donc on ouais, pourra c'est ça. Beaucoup plus de choses. Enfin, on suit des glaçons. Elles font dodo, c'est Mimi. Oui, elles ronflent. Elles ronflent quand elles font dodo. Et la journée, elles sont chill. Et là, on finissait un petit peu la base, parce qu'on l'avait bien commencé, mais je voulais la terminer. Je sais pas si à un moment, ça serait utile avec un oiseau qui peut nous attaquer ou des abeilles, on verra. En tout j'sais cas, pas. Bon. Le fait de pouvoir le faire, attaque tout ce qui bouge, mais c'est ça, ouais. Enfin, non, en fait, les araignées elles attaquent que nous, hein. Parce que bah, tu les vois oui, souvent plus, passer près des nous, fourmis ouais. Et tout, elles en ont rien à péter, hein. Enfin, souvent. Les jaunes par exemple, tu récoltes toujours de l'herbe, Loxo? Non, j'étais parti chercher de l'eau. Ah, faut pas hésiter en fait. Ouais, mais là j'ai soif. Y'a pas la goutte par hasard? Non. Quand si, elle y est. Ah, bah j'ai la base. On va mettre un panier dessous. Tu mets un panier vite fait dessous, tiens. Parce qu'on doit avoir toutes les compos pour le faire, je crois. C'est de le placer sous la paille. Moi, je vois pas de goutte. Tiens, elle a glissé, elle est un peu plus loin. Ah, elle, oui est dans le... elle est dans le tas de. Je ne moi, sais je quoi. Moi, je l'ai vu de loin. Hein. Ok. Est-ce que on peut mettre. Tu vois la punaise là-bas. Oui, elle me fait chier. Tout à l'heure, t'étais pas là quand je jouais tout seul, mais j'ai hurlé bah ouais. Parce qu'il y en a une qui m'a tu surpris. Tu tout seul. Mais je comprends pas, j'ai pu l'approcher de ouf avant qu'elle me voie. Et bah évidemment, je l'avais pas vue. Alors t'as la musique, elle t'attaque, c'est stressant, ça fait peur et tout. Ouais. Bah ça fait peur. Hein. Oui. Enfin, ça surprend quoi, ça, avec la musique et tout. Puis bah, tu te sens faible quand même face à une big punaise comme ça. C'est dans quoi déjà? Là-dedans, c'est dans le premier truc. Après, sinon, des fois, dans la canette, t'as une gouttelette aussi. Hein. Ouais, là, il y en a une. Ouais, non, mais là, ça va, je cherche comment faire le truc de... C'est un panier. Piano. Panier, piano. Pagno, panier. Miam, miam. Pagno, panier, voilà. C'est super.
Réservoir. Ok, normalement on a ce qu'il faut, je vais la faire là-haut. Déjà 2000 allers-retours, ça me gonfle. Les punaises, c'est simple. Ouais, les punaises, on en a déjà fait plusieurs, mais c'est qu'elles sont Et chiantes même, parce que je voudrais nous, on peut-être leur que fait ça pas me si fasse la mal non plus, place. donc on met un peu de temps, quoi. Et si les araignées loups viennent par là, justement, c'est aussi pour ça que je vais faire une zone un petit peu. Je pense que je vais mettre des fenêtres, on pourra les kiter, les taper en kitant un peu. Et moi qu'on les éclate. Tu les avais inspectés, les araignées loups? Ouais. Donc c'était sensible à quoi, t'avais dit? Je sais plus. Il y Je peux aller avait voir. épices. Donner. Il y avait épices, je sais pas ce que c'est. Et il y avait. Alors je sais plus que c'était Araignée loup, coupe. dit coupe tailladée, épicée. Et empalée. Ah non, résistant Non, empalée. Donc les résistance. flèches, c'est pas terrible. Ouais, c'est Chier. pourri et fèche. Enfin, ça sera fera un peu de dégâts, mais c'est pas là. Non, c'est pourri, mec. Je t'ai pris 3 bouffes, mais j'en ai 2, mais j'en ai mis 3. Ah bah super, merci, mec. Réservoir d'eau, il est là. Putain, le dépôt rapide, c'est. Oh, dans les jeux. Oh, dans les putains de jeux. C'est super quand ils font ça. Mouais. Pas Les mal, pièces, on là. a déjà tué plusieurs, mais c'est trop chiant parce que elles sont à des endroits où ça te fait chier et des fois t'as pas envie de les tuer. Et des fois elles sont genre 3 en Ouais, plus. c'est ça en fait. C'est que là, Donc c'est quand même on chiant. passe 10 minutes à. Allez, un peu moins, j'abuse, mais on passe 5 minutes à se faire chier à la buter. Tout ça parce qu'elle est juste sur le chemin, pas parce qu'on en a besoin ou quoi que ce soit. Et Ouais, avec les ondes on fait pas d'avis, t'es obligé de super faire mal. attention. Donc c'est long. Et nous, bah, nous font quand même mal. Donc, Ouais, elles font chier voilà. quand même. Et puis c'est prise de tête les punaises, parce que bah, c'est ça, c'est que elle met du poison, tu peux pas non plus trop t'approcher. Pas Marc, enfin, je t'es me obligé de kite, quoi. rapproche. Ouais, c'est vrai que le côté kite est un peu galère avec tout ce qui fait du gaz là. Alors, je te mets là. Il manque quoi pour le construire, Lox? Oh, mais c'est bon, c'est juste qu'il fallait que je construise là-haut et que je le déplace, c'était plus simple. Ah oui, pour avoir les accès aux compos. Oui. Maintenant, faut que je place bien. Ah non, mais je veux pas de spoil, effectivement. C'est logique. Après, souvent je précise pas parce que c'est logique. Mais non, je ne veux clairement pas de spoil. C'est trop bien dans ces jeux-là de découvrir tous les secrets de la map, des trucs et tout. Donc vraiment, sur celui-là particulièrement. Donc vraiment, des petits tips par-ci par-là quand on en a besoin qui peuvent être super utiles, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. On ne Ouais, cherche c'est juste, tu peux clairement nous pas à dire où est le speedrun le pistolet jeu. alien. Pistolet alien. Ça, c'est dans tous les Fallout. Un pistolet T'as un alien. pistolet alien qui a. Donc, genre, qui a 100. Enfin, qui a un certain nombre de balles, un nombre correct, Ok. qui fait extrêmement mal, mais que tu ne pourras jamais recharger, il n'y aura jamais de munitions trouvables Salut dans le jeu, Grisou! sauf si tu modes le jeu, mais c'est un peu nul. Et voilà, qui est toujours trouvable quelque part. Souvent un peu paumé au fond d'une map. Ou... Et Grisou qui Salut vient Grésion! d'arriver! Oh, voilà, je te Ouais, dis, c'est le meilleur. Il Tu m'as t'adore. manqué, Grésion. Tout à l'heure, tout le monde était contre moi dans le chat. Franchement, C'est j'en vrai ai qu'il marre. était super chiant tout à l'heure. Non, j'étais pas chiant, j'étais adorable. Et le chat, en fait, a voulu soutenir Lox. Parce que c'est des faillots. Et du coup, voilà. Non, c'est pas des haricots. Le repas de famille, c'est vrai que t'as ton repas de famille, c'est vrai. Il te gonfle. D'habitude, Sam, il me soutient un peu et tout. Et là... Non, là t'étais un chieur et Sam il a de la logique. Non, je t'adore. Franchement, ça m'a un peu blessé. Mais... Imagine que c'est comme ça quand on est blessé par un ami. J'imagine que c'est comme ça quand on est blessé par un ami, quoi. Ah putain, je suis obligé de sauter On et de parlait me plus? laisser tomber pour build le putain de wall. Ouais. En deux fois, parce que tu peux pas poser les quatre d'un coup. Bon, on va dire que c'est pas mal. Hein. Niveau défense, on est bien, je ferai pas. Bon, on n'a pas fini encore, mais écoute. Les herbes, on attendra que celle près du camp repousse. Ça me fait chier d'aller à 15 km. Ouais. Chaque fois, là. Si tu remplis l'herbe, Lox, je pense qu'on sera bien. Il te dit de montrer à tout le monde que t'es adorable.
Il a fait une erreur 404 là. Quoi? Voyez un peu la haine de la meuf. Voyez. C'était sûr. Hein. Je savais que ça serait dur. Je le savais. Bon. By the way. Voilà. Faut des herbes. Il y a trop raison, Sam. Si tu ramènes plein, pas bien. Je suis bidon là. Ouais, je ramène l'herbe. Tu sais que je me suis tellement fait chier à aller chercher tous les orties, les trucs, les machins. Pas les orties, les merdes, qu'on appelle ça. Les trucs de pissenlit. Que il a fallu que je retourne maintenant. Si tu veux des pissenlits sur cette journée là, elles sont où il y a une sauterelle, où il y a forcément, je veux dire, une punaise, où il y a des araignées, où c'est au-delà de notre premier camp. Dans la zone où t'es là, il y en a plus sauf s'il y a une punaise ou une araignée à côté. C'est affreux. 400 000 km quoi. Après on fait dodo. Hésite pas. Ouais, hésite pas à couper les petites racines. Parce que ça donne plein d'herbes et ça permet de faire. Ah, je savais pas qu'on pouvait les couper. Ouais, et c'est comme ça que c'est beaucoup plus rapide pour récolter les. C'est comme ça que j'en ai récolté 150 hier. Voilà, on peut plus en mettre. Tu te poses en faisant un N arrivé au camp, c'est pas trop chiant. Et remplis-toi aussi, toi. Dans tes bras. Lox, tiens. Tu peux en prendre 8. T'en as combien sur toi? Non, mais t'arrêtes de me surcharger. Oui, mais c'est rentable. Moi, je vais en ramener aussi. Tu peux en prendre 8. Voilà, et tu fais F en même temps. Tu vois? Double rentabilité. Oh là là! Mais je suis trop exploité. Après, faudra trouver la valine. Après, je trouve ça pas réaliste parce qu'une formule peut pas porter genre 1000 fois son poids. On va pas prendre 1000 herbes en vrai. Bah, on est par rapport à une herbe en vrai. On est tout petit. Donc en soi, ouais, on mais une herbe, allez, on va dire que c'est 10 fois. On pourrait prendre 100. Bah, on peut prendre 8. Pas loin, hein. Ouais, bah, c'est pas ouf. On en a des petits bras d'humain. En plus, on a une armure fourmi qui nous rend plus fort et tout. Il me transforme en mule, ça dégoûte. Allez Lox, transporte, dépêche-toi. On a besoin d'herbe, Lox. Pour la survie de la fourmilière. J'en ai deux. Fais dodo. Bah je ramène des herbes, j'arrive. Moi je fais dodo, hein. A low energy. Bah, build au moins. Je peux te ramener. Non, attends. Mais je sais pas où. Bah, j'ai mis les patterns. Au-dessus de toi. Oh là là! Mais quoi? Mais on a même pas besoin d'autant de place pour le moment. Mais si, on a besoin pour faire des plantations. Justement, pour la bouffe, ça peut être pas mal. C'est pour ça que je veux. Mais les plantations, ça. Tu veux pas les faire en bas? Bah, non. Et la plantation, tu veux pas les faire là où on est? On va se faire piquer par les fourmis après. Mais on peut les faire. Les fais juste au-dessus. Non, ça prend oh, mais place. En plus, on aura plus de lumière. Tu vas transformer notre maison en cage. Mais je vais faire des fenêtres, ça va. Mais il faut faire des fenêtres. Envy, viens, fais des dos. Mais j'arrive, tu m'aides même pas là. Mais tu fais quoi? Arrête de gueuler déjà. Il est déjà 22h. Presque. Déjà dans le lit, l'autre. Allez, viens! Mais je suis là! Allez! Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ses exigences de princesse. C'est vrai que c'est un peu une princesse, mon frère. Écrit pareil qu'une princesse. C'est toi qui fais la princesse, allez, viens, gna gna gna. Il faut dormir, araignée loup, tout ça. Et en plus, toi, je t'entends tout jeter là. Ah oui? T'as placé ça n'importe comment en plus, mais attends. Bah, j'ai tout placé surtout. Ah, j'ai tout construit au-dessus de ta tête, du nuque. Allez, viens. Attends, je place les planches dedans. Oh, oh sinon... non, mais on s'en branle là! Voilà, là c'est propre, on peut dormir. On dort dans une chambre rangée. Anyone else tired? Je t'attends Locke, ça serait bien que tu dormes là.
trop long. Faut pas exploiter sa serre qu'on est grave. Waouh. Alors je l'exploite pas. Voilà. Faut pas exploiter sa serre. Je lui apprends les ficelles. Il faut qu'on mange et qu'on boive. Ouais, mais c'est bon. Tu veux de la bouffe ou t'es bien? Ça va. On est mis une autre cuir si jamais. Bon, est-ce qu'on a assez de place pour commencer le jardinos? De ce côté-là, ah, Alors, fabriquer. Ah, faudrait faire de l'élas gomme. Ah, mais faut en faire deux, ça. J'en ai deux, ok. Et je voulais faire, j'avais dit. C'était donc. Raconte-toi ce que c'est que la valinerie. Parcelle de jardin. Ah, oh, c'est trop cool. Voilà, je plante quoi? Attends, je peux planter feuilles de trèfle ou fibres végétales? Ça sert à quoi? Engrais optionnel. Les feuilles de trèfle, c'est pour avoir des feuilles de trèfle à dispo. Fibres végétales, c'est pour avoir des cordes, je crois. En gros, c'est ça. De croissance 15 pluriel, one égale heure, other égale heure. What the fuck? Mal. Tu joues à Factorio? Je vais voir si le truc pourri, ça peut. Tu sais, la viande pourrie, ça peut servir d'engrais? Je pense que oui. Keeping time. Puis on en croit tous les milliards de jeux. Ouais, j'ai mis full engrais. Oh, c'est chaud. Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on améliore notre hache au rang supérieur. Ah oui? On allait faire. Ouais. T'avais construit le petit truc en bas, le collecteur? Ouais, mais y'a rien dedans. Après, la goutte elle popait pas direct, il me semble. Ouais. Popait pas forcément le matin. Ok, et je vais nous faire de la corde en soie. Voilà. Que ça servira pour des trucs, donc c'est pas mal tout ça. Ok, le poste de forge sert à R pour l'instant. Bah si, on peut améliorer les haches et tout. En fait tu peux améliorer tes armes, du coup bah ça va juste améliorer leur dura. Ouais, je sais. Donc c'est pas... Non, leurs dégâts, 5% de dégâts et 5%. Ah oui, en fait, d'accord. Chaque amélioration c'est 5-5. Mais c'est que l'âge par exemple, quand tu l'améliores, ça améliore son côté arme, mais ça lui permet pas de frapper des... de casser des trucs plus durs. Je sais pas si tu vas se lui dire. Ok. Construire en haut. Faire comme toi. Après tu le descends. Que je me demande si les valinéries c'est pas ces petites trucs là. Les sortes de petits arbustes qu'on peut pas casser. Peut-être qu'en allant chercher la hache on aura accès à d'autres choses et bah... Ouais. Alors la hache c'était quoi? Attends, je vais regarder pour savoir ce qu'on a besoin. Fabriquer. Hache, ils disent que pour la nouvelle hache, nous avons besoin. Alors, c'est celle où il faut les bombardiers et les coccinelles. Les deux sont relous. En fait, toi, tu peux te mettre en... changer ta vie avec U, si jamais tu t'en souviens. Moi, j'aime bien là. Ok, ok, je te préviens juste. T'as un arc et des flèches? Oui. 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 Bon, après, même si je sais pas si là, dans l'immédiat. Oh putain. Ah, le trampoline, c'est un peu la cuckerie quand même. Je l'ai mis en bas, mais bon, on verra, on trouvera d'autres utilités peut-être. Bah viens, on va chercher une coccinelle. Ouais, mais attends, coccinelle c'était quoi déjà? Ah non, il fallait visser les jambes, et c'était quoi qu'elle était? Ah, c'était concassage genre. Donc en gros, il faut des marteaux. Bah, le gourdin. Le gourdin, tu viens? Moi j'ai le gourdin, moi. Ouais, celui-là, ouais, parfait. Faudra bloquer, hein, je pense, ça va pas être facile. Ah oui, faut enfin, on verra si le blocage, est-ce qu'il annule les dégâts, s'il est bien fait, ou si... M'a dit hier, s'il est parfait, réduit, ça annule. C'est pas mal.
Ouais, de toute façon, le fait que même la réduction, si tu perds que 10% de ta vie, ça donne déjà pas mal de. Mais bon, putain, la zone où on va se taper, bah on va encore devoir se taper l'autre qui est là-bas. Bah ouais, parce qu'elle apparaît plus jamais, celle qui était pas loin de nous. Si, mais je crois en soirée, j'ai l'impression. Enfin, tu sais pas, au début de journée, quoi. I mean, this is probably what Bob début de journée, elle bouffe des pucerons, et puis après, elle vient. Tac, elle était par là, je crois. De toute façon, elle est pas loin de notre ancienne base, finalement. Si jamais t'as les marqueurs qui sont cachés, j'avais ça un moment, c'est parce que t'as pu sortir par erreur. Ok. Regarde, il y a cette fleur aussi là qu'on connaît pas. Ah, une idiotie. On peut la taper celle-là ? On peut. Ah, c'est des trèfles. D'accord, c'est une trèfle qui a fleuri en fait. Une fleur de trèfle. Putain, des cailloux, on en a pas beaucoup. Si t'en chopes par terre, prends-les. Ok. Bah, en fait, on les avait vraiment tous consommés avec les gravillons, tu sais. On est où? Elle était par là, ah, là-bas, on la voit. Bon. Moi je l'ai entendu avant de la voir. Ok. Oh non, bah qu'est-ce que je dis, elle bouffe des pucerons. Oh, Théma, elle est près d'une araignée, est-ce qu'on peut pas tenter le tout pour le tout? Oh, je sais pas, je tente un truc de fou ou pas? On peut, mais le problème c'est qu'elle est petite aussi, je crois. C'est une petite qui faudrait qu'elle attaque la petite. Oh, non, je me fais attaquer. Attends, laisse-moi. Vous attaquez par un sur moi. Ouais, laisse. Attends, je l'ai attaqué pour qu'il vienne sur moi. Bah, ça a bien marché. Ouais, regarde. Bah, il m'a attaqué moi. Et voilà, attaque la coccyte. Allez. On est tellement des. Oh là là, mais les petits enculés là qui nous sautent ouais, dessus. Ils sont horribles. Attends, je vais déjà me débarrasser d'eux. Bon, attends, laisse-les, on la laisse. Elle a perdu de la vie un peu ou pas? Bah, on peut pas voir. Je pense que oui, mais. Quoi. Ah ouais, elle l'a éclaté quoi. Oh, elle a rien perdu. Ouais, je crois qu'elle l'a éclaté. Ouais, elle a rien perdu du tout. Bah, elle est full. Elle avait quasiment rien perdu en gros. Ok, donc ça serait mieux avec une araignée quoi. Il y a l'araignée qui est là-bas. Attends, je vais tenter le coup. Oula. Oh là. Là, je tente un truc de fou là. Ouais, ça a marché. Peu importe celui qui perd, ce sera utile. Ça sera Wars. Bon, on se prépare à intervenir. C'est stylé à voir, en fait, j'aime bien. J'ai presque envie que la coccinelle gagne. Ouais, moi aussi. Tellement l'araignée, elle est démoniaque. Oh, elle a chargé. Je suis sûr que les charges font trop mal. Ouais, et puis elle, en plus, regarde, elle peut l'attaquer que par le dessus, par la carapace. Oh. Oh, elle a injecté des toiles. Elle m'a regardé. Mais ouais, c'est bien sûr, moi. Une coccinelle qui s'en va gaiement, je suis pas sûr. Ouais, elle s'en va pas gaiement là. Faudra vite réagir et taper l'autre par contre. Oh, y'a une petite qui attaque la coccinelle. Oh, c'est terrible. Oh, la pauvre. J'ai un peu de triste pour elle. Après, elle met des putains de charges. Hein. Oh la vache, combat des titans. L'araignée, puis la coccinelle, tiens, beau, l'araignée seule peut-être suivi du cible. Ah, elle va vers toi, l'araignée, elle va vers toi, l'araignée. Vas-y. Ah, elle se reprend. Elle retourne sur la coccinelle qui a toujours du répondeur. Elle a stun de l'araignée, la coccinelle, mais la petite continue de faire des petits coups dans le dos. La coccinelle est stun. Mais pour le moment, elle tient beau face à ses deux adversaires. Le poison ne semble pas avoir trop d'effet sur elle. Elle se retourne pour attaquer la petite grave erreur. Elle est maintenant dedans de dos. Face à la grosse araignée qui en a permis, qui en a profité pour lui mettre. Oh la coccinelle a tué l'araignée. Attention, elle a toujours la petite à affronter. On va peut-être continuer, on va laisser, on va voir jusqu'où ça va. Mais incroyable situation que nous avons vu, incroyable combat et je suis complètement coincé de cette putain d'étoile. Prépare-toi à attaquer la coccinelle. Ouais. Oh, derrière toi. Ah non, je suis dans une toile, je peux pas t'aider. T'as fait des trucs! Ouais, mais tu m'aides pas! J'étais dans une toile, espèce de nuit, je viens de te dire! Ah, j'ai plus d'endu. Faut que j'attende. Elle est quasi morte! Ouais, elle s'en va. J'ai plus d'endu. Putain, je l'ai affronté solo quoi, du coup tu m'as abandonné! Foireuse! Ouais, je voulais. Je... Ouais. Quel bâtard! Il m'a. Mais t'es horrible aujourd'hui, hein! Non, mais. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, je voulais la récupérer avec Middle, viens. Hein. Les gars, bloc.
Oui bah j'ai bloqué, ça m'a, défoncé. Ok, j'arrive. Oh, non. Je lui tire dans les jambes, mais... Ah, je lui mets plein de flèches dans les jambes. Je pensais que les herbes, ça allait la retenir, mais pas du tout. Si, si, mais bah des fois, ça... ça... Oh, le blocage. Ça, ça m'a pas tué, mais... Oh, tellement plus de vie. Je vais galérer, je suis en 13. Allez, low life en plus. Non, je suis une toile d'araignée, sa mère. Tape, tape. Ouais, je tape, tape, tape. Voilà, putain de sa mère. Ah, la grosse pute d'araignée qui a mis des toiles partout. Calme-toi. Non, ça rend fou. Oui, mais non. Un mauvais jeu, j'arrête. On dit pas des mots méchants. Putain, elle a foutu des vieilles toiles de merde partout là. Elle a dit désolé, après au moins la coccinelle. Ah, disons qu'en vrai, elle a mérité sa victoire. Hein. Ah, je vais tellement lui chiquer sur la gueule. Arrête cette mission. C'est non. Qu'une araignée, c'est qu'une coccinelle dans un jeu vidéo. C'est horrible les coccinelles en plus. T'as vu la gueule que ça a? C'est trop mignon. Non, j'aime plus. T'as récupéré la... l'araignée? Je vais la faire taper une punaise, on va voir. Mais ouais, elle est trop forte en fait la coccinelle, hein. Elle est trop résistante. Oui, c'est le world boss du jeu en fait. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr qu'elle défonce une punaise. Je pense. En vrai. Je pense, ouais. Je pense même qu'elle gagne contre une punaise. Alors que ça fait mal les punaises et il y a le poison et tout. Non, mais l'araignée font plus mal, hein. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Mais pourquoi l'araignée, en fait, bah parce que je suis pris une charge, je suis morte quoi. Tout simplement, hein. Ouais, ça bloque pas tous les dégâts, moi j'ai pris cher. Hein. Oui, non, mais je pense qu'il faut le faire au parfait moment et que j'ai... on a pas le timing. Ouais. Mais bon, on ne le fait jamais, donc on n'a pas trop de train. J'ai 1000 flèches en plus. Non. Pourquoi n'avoir pas fait la respawn de poste de recherche le plus proche? Parce que je sais pas trop où il est le poste de recherche le plus proche, je savais pas lequel c'était. En fait, je fais jamais ça. Mais ça sert à rien d'écrire en caps lock comme si tu hurlais, hein. C'est pas grave en fait. Genre, au pire, j'ai marché 200 cm. Ah, il y a la petite araignée que j'ai récupérée aussi. Et en vrai, c'est vraiment pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a un poste de recherche vraiment collé en plus, j'avais pas vu. Ouais, mais je sais jamais, en fait, moi, au poste de recherche, j'ai toujours peur que ce soit le premier. Du coup, bah, comment voilà. Donc j'ai jamais fait. Non, non, il y a écrit le plus proche. Ok. Mais comment on peut faire? Parce que en fait, on n'arrive pas. C'est quoi, c'est concassage? Et avec le gourdin, t'avais l'air de lui faire mal ou pas? J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps. Je vais essayer de gérer les blocages. Mais c'était quoi, on y va? Armor Envy! Oui. J'avoue, j'étais un peu poucave dans mon titre. Par contre, on a plein d'herbes. Mais t'es sérieux là? Je te déteste. Ah ouais. Je te mets un coup de marteau. Coup de marteau. Bah attends, t'es prête? Attends, je voulais. Maintenant, c'est bon. Je voulais m'assurer qu'on n'ait pas de toile d'araignée qui va nous gêner. Attends, Lox, on se bat là, hein? Sache-le. J'ai pas pris de quoi me heal et tout, j'aurais dû. Oh non, là, je suis pas. Allez, on est parti. Attends, je mets un coup chargé. Ah ouais, ça fait mal. Stop, j'ai raté mon. Non, j'ai raté mon blocage, j'ai trop nul. Je mange. Une nourriture. Ouais, j'ai stun. Et j'ai pas perdu de vie, effectivement. T'as réussi à la stun à l'empêcher de me charger. Ouais, elle m'a fait peur. T'as réussi à bloquer? Tiens! Ah mince, je suis en train de la taper, j'ai pas pu. Oh non, j'ai pas eu le temps, mais j'étais en train. J'étais encore en animation, ça fait chier, merde! Reste de recherche le plus proche, reste de recherche le plus proche. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Elle est crue au poste de recherche, hein, je sais jamais lequel c'est moi. Fais-le. Ah ouais, non, mais je suis en train, j'arrive. C'est juste que ça met un peu de temps à afficher l'écran et tout. Oh putain! Non! Non! Elle est où? Dans la map! Voilà! C'est moi qui loot! Faites la gueule!
C'est moi qui... Non, je l'ai déjà loot. Putain! You! Tiens. Ah, ça fait mal. Ça fait presque rien là. C'était pourtant ouais, méchant. On l'a eu. Merci Miss Kiki. On a bien fait de suivre les données. Mais effectivement, quand tu fais un bon parage, le problème c'est que la deuxième fois j'étais en animation donc je pouvais pas le faire. Ça m'a pas du tout usé de vie. Ah ouais, moi le premier m'a pas usé de vie, mais alors le deuxième il m'a enlevé franchement 40% de ma vie peut-être, un truc comme ça. Ça m'a fait bien mal. Alors j'inspecte l'araignée, parce qu'on a le cul de l'araignée. Trop bien! C'est une bonne strat pour tuer les araignées. La capuche des arachnophobes, je sais pas quoi là. Ouais. Ah, on était en araignée, les araignées ne voient pas. Et coccinelle. Ah, coccinelle, ouais. Mais elle a fait un combat de fou. Pourtant, on y était. Mais effectivement, je pouvais pas la loot. J'ai plus rien loot moi. Il va me falloir le gourdin, je pense aussi. Ouais. De toute façon, moi j'ai toujours sur moi. J'ai pas la tête. J'ai que 3 bouts de coccinelle. Merde. Ah, va falloir en tuer quelques-unes, hein. Oh putain, la vache. Viens, on va à la base, je vais m'équiper, non? Oui, il faut qu'on s'équipe en bouffe et en flotte aussi. Comme ça, on régène facilement. Viens, j'ai l'armure des glands, aussi. C'est mieux? Bah, elle protège plus, ouais. Et de toute façon, les fourmis, on les aime pas. Enfin, on s'en fout. J'adore. Fourmis, on les aime pas. Non, mais je veux dire, on a plus d'intérêt, quoi. Bah, c'est juste si on croise des fourmis soldats, parce qu'elles sortent aussi, du coup, bah, parfois... Ouais, bah, alors, elle crée la gueule. On leur fera péter la gueule à une araignée. Par contre, on pourrait débuter un combat comme ça encore. Ouais, ouais c'est trop bien. Du coup, t'as double compo en fait, c'est plus intéressant. Après, c'est pas partout qu'il y a des... du resto. Des... Ah, nice. Moi, demain, je vais voir Avatar. Il y a plusieurs troupes. Ouais. Oui, bah... Ramène de l'herbe si on peut, au passage. Ah rien. Oui, on avait plein. J'ai pas pensé. Moi non plus. Bon, on peut récolter vite fait, par exemple. Quoi, c'est quoi ce bruit là? Ah, c'est la punaise de merde, ça! La punaise, on peut pas la faire au cac facilement. Je déteste ces bestioles. Il faut des lances. Mais les lances, elles se stackent ah pas, c'est ouais. Ça? Non, mais c'est vrai que c'est fort les lances. Putain, ouais. Ils se barrent le tout. Je sais pas ici, tu vois, genre. Attends, je récupère une herbe. Juste pour me tiens, revenir avec un stack full. J'entends le cœur back. Faut pas hésiter à faire ça, Lox, comme ça je au moins. Je sais, tu me l'as fait gentil. On stabilise nos retours. Donc oublie pas où tu prends. Ah non, j'ai... Merde. Ah. Tu vois? Je te le répète? Non, mais je prends de la bouffe au passage parce qu'il faudrait que je mange. Alors là par contre, c'est un pissenlit. Je crois que je vais quand même le récupérer parce que c'est un peu chiant à stacker. Ah oui, il y avait un... Il y avait un petit con un dessus. Un pissenlit. La bouffe est toujours meilleure quand on la paye pas. Et qu'elle coûte cher. Et qu'est-ce que ça fait si on t'offre genre un resto et que c'est pas bon? Est-ce que tu le dis ou pas? Bah merci pour l'invite, mais franchement mais c'était franchement, dégueu. Mais franchement c'était dégueu, ça dégoûte. Oh non mon père ! La prochaine fois, ne m'invite pas. Toujours les bons amis. Sia, pourquoi tu... Mais parce que, alors je t'explique, j'ai utilisé trampoline pour sauter. Sauf que du coup, j'ai appuyé sur Shift, donc ça m'a tout lâché ce que j'avais dans les mains, ça a rebondi sur le trampoline. Parce que bah en fait quand j'appuie sur Shift, ça met mon parachute là. Donc bref, c'était le bordel. C'était compliqué. Ça faisait tout tomber. Ça faisait tout tomber. Merci en terrain. Antéki se là sur le chat. Avec des bestioles quand t'as pas encore tout débloqué avec les recherches pour avoir du matos plus balèze, c'est l'enfer à tâtonner. Franchement oui hein, il y a vraiment une progression assez importante. Binaire. Parce que... Tu peux pas trop sauter d'étapes j'ai l'impression. Parce que si par exemple t'as pas les nouvelles armes, tu peux pas récolter une nouvelle compo, donc tu peux pas genre sauter à l'armure suivante, enfin... Ouais, et puis le jeu t'encourage en plus. Il y a des gens qui trouvent toujours des moyens, mais globalement ça a pas l'air. Les quêtes, elles sont vraiment faites pour que tu débloques des trucs. En plus, vraiment, c'est encouragé de fou par le jeu de débloquer plein de trucs. Je veux dire, t'es récompensé en dehors de nouveaux matos par des points d'XP, donc c'est quand même encore plus intéressant. Ouais, après, je te parlais que le fait de mettre des insectes en combat entre eux, le fait de pouvoir lancer une lance qui te fait autant de dégâts que peut-être la meilleure arme du jeu en un coup blanc, tu vois. Bon, après, tu la perds la lance, mais. Je suis sûr qu'il y a plein de solutions, tu sais, pour...
Elle dit si c'est pas bon, tu peux le dire, vu que l'autre doit aussi manger un truc pas bon, donc il va se rendre compte. C'est vrai, mais il y a des gens qui ont des goûts de chiottes. Ouais, ou des fois c'est ton plat. Tu tentes un truc. Faut manger, la même chose. Tu sais, tu fais genre, oh, goûte. Qu'est-ce que t'en penses? Sans rien dire. Ouais, c'est... Ah, je crois que j'aime pas trop. Ouais, c'est normal, c'est dégueu. Ça, c'est parce que je t'ai invité. Je t'inviterai plus. Lox, t'as passé une herbe sans la prendre. J'ai vu. Non, mais oui, mais Envy, même quand il rush pas, il rush un peu. Je rush jamais. Là, on joue tranquille. Non, mais t'as. Tu fais trop de trucs. Mais non, c'est qu'on optimise. C'est quoi le problème? Temps de croissance, 88 pluriel. On était à 155. Ah, y'a que moi qui trouve ça dégueu alors. Message passé. Subtilité. Y'a que moi qui trouve que c'est un goût de chiotte ou pas? T'as vraiment des goûts de merde, dis donc. C'est vrai que je voulais pas venir. Non, je voulais pas te venir, mon coup je vais être malade, super. Ouais, super le restant. Bon, par contre, là, il y a écrit support, donc faudra sûrement faire des murs pour que ça soutienne, à mon avis. Là, j'ai un peu gratté, mais... Bah sinon, faut faire des colonnes. Non, ça gêne, ça. Lecture du loin étrange. Ah oui, j'avais pas lu des os. Bah oui. Il était une fois. Non. T'as vu, il y a des petits pucerons qui meurent. Oui. Sur les pièges, du coup, on peut les récolter. Oh! Alors, cette loi? Alors, dans un certain pays qui n'est pas les États-Unis, la justice a établi que la présence d'une notice d'utilisation n'était pas obligatoire sur les chariots de supermarché. Dans quel pays? T'as dit quoi, Nini? La Chine. La Chine. Un pays qui n'est pas les États-Unis. La Chine? Ça peut être ça. Quoi? C'est pas ça? Elle est pas bonne ma réponse, elle te gêne? C'est un peu un syllogisme chelou, ouais. Australie! Non, c'est pas l'Australie. La Creuse? Bah. Oui. Parce qu'en fait, c'est la France. Bravo, Thé! Pas obligé d'avoir des notices d'utilisation, mais c'est dingue ça. Pour les chariots de supermarché. Bah ouais, mais c'est fou. On va répéter la question. La question c'était dans quel pays la justice a établi que la présence d'une notice d'utilisation n'était pas obligatoire sur les chariots de supermarché. Je suis la bosse. Et effectivement, Hanté a dit la Creuse, et bon bah je pouvais que lui donner cette réponse parce que bah, c'est vrai. Donc bravo! Je vais chercher de l'eau. Incroyable. La France et la Creuse, exactement. c'est vraiment la région qui représente le mieux. Il faut qu'on retrouve une coccinelle en fait, au final. Ouais. Et attends, c'est quoi coccinelle et bombardier, c'est ça? Ah ouais, il faut que je me fasse une masse fourmi, je pense. Ouais. Et des lances. C'est un gourdin que t'as fait, c'est ça? Ouais, gourdin. Attends, avant. Putain, je sais ce qu'on va faire. Attends, faut que je boive vraiment, là, j'ai soif de fou. Ok, faudrait aller dans la fourmilière. Moi, je vais dans celle qui est là, je pense. Si tu peux aller dans l'autre, elle est pas très très loin non plus. On aurait dû mettre... Attends, faut peut-être mettre des repères, non, pour les fourmilières. Ou ça ferait trop. Bon, t'en mets pour une. Bah, ouais, c'est sûr. Deux, je pense. Attends, je regarde. Un repère, c'est quoi? Enfin, ça demande quoi? Fibre, branchette, feu d'étoile. La Creuse, c'est la région pilote. C'est que je me dis, Lox, en gros, on pourra aller dans la dans les fourmilières chercher pilote, des pierres pour améliorer les armes. Et genre, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait le gourdin, on essaie de l'améliorer un petit peu. Moi, il est déjà amélioré, mon gars. D'autres farms. Ah, moi, ouais, moi, du coup, je l'ai même pas et il n'y a plus assez de fleurs. De fleurs? C'est des pierres. Oh, de pierres, t'as compris. Bah, si, c'est des pierres normales, il faut les tailler. Alors, j'ai mis une fourmi et je mets fourmi rouge. Ça te va? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc fourmi rouge. Et alors là,
Ah, c'était pas du tout une... Quand t'étais petite, tu disais la belle jury ? Non. J'ai la Belgique comme tout le monde. C'est depuis que j'y vis que je dis la belle jury. Voilà. On traitait la Creuse de région bêta. Elle est en test, la Creuse. Ça se voit, non ? Ouais, il y a une coccinelle ici. Pour la fourmilière. Tu veux qu'on en fasse ? Ah là, bah non, non, non. Là, j'ai pas de bouffe, j'ai rien. Et sinon, surtout, attaque là, les fourmis. J'ai... Mets-toi sur la... Non, la fourmi, c'est trop nul. Bah non, parce qu'elles sont 1000. Elles appellent toujours 1000 potes. Ouais, mais là, j'ose pas. Y'a pas de fourmis. Y'avait pas de fourmis, en fait. Non, non, mais pourquoi pas ? Mais en fait, y'a pas de fourmis. Oh là là, t'as fait mode photo. Non. Si. Moi, je sais, hein. Mais comment on build ? Attends, c'était quoi la... Ah, c'était B, ouais. Putain. Ah oui, d'accord, elle fait dodo, je crois. Lève-toi. Ouais. Eh. Viens, on y va de... Ah oui, non, mais besoin d'être... Mais j'ai pas de torche, moi. Ah, j'ai une torche. Oh, voilà. Ah, viens, là. Bon, on essaie de récupérer toutes les pierres, alors il y a plein de... Pas bonnes. Des fois, elles sont en dessous d'elles. Yo, Ant. En dessous d'elles. Et surtout, faut trouver des cailloux, des fois, on peut en casser certains. Donc, qu'une casser avec le qu'une casseur. Et que des cailloux normaux. Ça repousse pas ? Les cailloux, ça pousse pas, non ? Bah, en quelque sorte, c'est poussé par les vers de terre et c'est remonté à la surface. Oui, mais là, il n'y a pas de vers de terre, il y a des fourmis. Ah, alors ? Hein ? Elle est où la biologiste ? Vrai, hein. Elle est poussée par les vers de terre. Quand t'as un énorme rocher, c'est les vers de terre aussi. C'est de fou. On parle des petits cailloux là. Hein. Mais les petits cailloux, c'est les fourmis qui t'ont ramené. Oh putain, putain, mal à l'aise. Ah, ça, on peut pas le péter, non, j'imagine. Ah, marbre robuste 2. Ah, il y a écrit 2 dessus en fait. Donc ah, moi j'ai pas. Moi c'est 1 moi. Il y avait rien du tout. Alors, comment il s'en va alors que j'ai pas de lumière ? Donc c'est relou parce que... Développement à la Star Citizen. On peut pas récupérer de... Putain, comment on farme ces cailloux là si... La Creuse, parce que c'est la Star Citizen de France. Hein ? C'est là où on avait trouvé des cailloux, c'était là-dedans. Les cailloux qui servent à... Tu sais, à faire des... Finis pas tes phrases alors je comprends pas. Là, les cailloux qui servaient à faire des... Enfin, à faire des cailloux, des pierres aiguisées avec l'espèce de cailloux qu'on avait trouvé. Cailloux qui servaient à faire des cailloux. Ah, on a trouvé des cailloux qui servaient à faire des autres cailloux qui servaient à aiguiser les armes. Là. C'est pas des cailloux normaux. Ce qui m'ennuie. On va essayer d'aller à l'autre fourmilière. On est parti. Viens, on y va. On va voir. Elle dort la coccinelle ou... ouais, oui, je pense oui. Okay. Maintenant qu'on peut les tuer. Elle ronronne. Ça va être par là. Environ. Voilà. Peut-être... Attends, il y a un truc devant, c'est quoi ça ? Taking a look around. Ah, c'est un escargot. Non, c'est juste la coquille. On peut rien en faire. On peut même pas en faire une cachette. T'as un peu de trèfle sur toi ? Non. Non, pas du tout. Attends, c'est où, là ? Il fait nuit aussi, c'est chiant, on devrait rentrer, non ? Ouais, mais trop tard. Ah, regarde, elle est là. Ouais. Bouge vénère. Oh là là. Ok, ça va. Avec une coccine ici, ça serait pas mal. Mais attends, on avait mis un repère, mais on peut pas le... Ah ouais, on avait pas mis de truc. Alors je mets fourmi, et je mets fourmi marron. C'est que le premier, c'est marron. Bon, on est parti. Tu me suis ? Oui. T'es où ? Dans. That ant's got some moves.
Non, sérieux, t'es où? Je suis dedans! Je te trouve pas. Bah, avance! Ah ouais, mais t'as foncé de où? Mais oui, parce que je m'ennuie. Ouais, par la gauche, quoi. Putain, c'est chiant si les pierres sont limitées. Ouais, faut peut-être après trouver les trucs. Les un marbre fragile, on peut le casser lui, je pense. Lox. Ah oui. Il y a écrit 1. Je sais même pas si c'est les bonnes pierres, je crois pas, de toute façon. Mais non, bon, je crois pas non plus. Encore marbre fragile, maybe? Ouais. Éclat de marbre fragile. Je trouve que c'est ça en vrai. Scrabble along, comrade. Je crois pas. Ok, on tourne. Je vais voir sur la gauche. Non. Là. Ça, on peut faire des torches avec ça. Alors, je vais peut-être t'en faire une d'ailleurs. Ah oui, je veux bien. Ouais, ah, il faut des fibres. T'as une fibre végétale ou pas? Non, j'ai tout vidé. Ah, dommage, bah viens, viens. C'est par là. Viens, on passe par là. Attends, c'est sur un. On a besoin de tout. Ah, c'est ça. Ah non, marbre fragile encore. Ah, c'est ça. Un morceau de pomme. C'est de la quartzite là. Mais bon. Moi, c'est des morceaux de pomme. On peut pas le casser celui-là. Fais chier. Donc c'est ça, ok. Bon bah on peut se barrer. Oh ah, surprise. Wow. Wow. Ah, là y'en a un. Éclat de quartzite fragile. Un. Tout ça pour un. Oh là, je vais y tomber. Ah, c'est le truc où on était en bas juste avant. Oh, viens, on n'a pas été par là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'attaque? Il prend un œuf de fourmi. On se tire, on se tire. Oh, ça va être trop mal, non? Ça va être chaud? Oh la vache! Il est grand, hein? Là. Ouais. Mais moi elle m'attaque moi mais pas toi je crois. Ah ça. Ouais attends je peux le récolter du coup. Quoi j'entends. Bah barre toi. Ah ouais mais t'as pas la torche ça va être sûr. Je vais m'en sortir. Je vais toujours vers la lumière. Allez pour Miranda. Mais. Elle t'ignore. Ouais mais moi y'a un truc qui me coince là. Mais dégagé. T'es sur une fourmi. Non mais sauf que je suis coincé. C'est bon, c'est bon. Là par contre. Ah non, les fois. Les soldats s'en fichent. Oh, et la plupart des ouvriers. En fait, c'est vraiment celle que t'as vu ou que t'attaques. Ok, bon, on rentre à la maison. Ah, insupportable quoi, elles m'ont bloqué. On est parti, on rentre à la maison. Ah, ne pas faire piquer un œuf. Oh, il y avait personne autour. Mec, t'attaques. Oh, mais faut analyser. Oh, j'ai déjà analysé, mais c'est bien, on en a. Je crois que j'en avais pris qu'un seul depuis le début du jeu. Je sais même pas s'il est encore au coffre, s'il a servi à quelque chose ou pas. Peut-être qu'il a servi à faire un truc en vrai, on a pas fait gaffe. Watch it. Speedy coming through. Bon, par contre là, ok, c'est une coccinelle. Ouais, elle fait mais y'a moyen qu'il y ait autre chose quoi. Je suis, t'es derrière? Non, mais je vois rien alors des fois c'est pas facile. Oh, on va tuer des mûches. Ah non! Il y en a rien. Waouh! Waouh! J'étais sûr! Je vais t'aider! C'est on bon. Y va! Viens, on se. Oh non, je suis ralenti! Oh non! Elle tire des toiles, faut être trop chaud.
cours. Saute, t'es là? T'es où? Je suis en dessous. J'entends tes yeux de bouche, je continue d'accrocher ma tête. Putain d'araignée, loin à ma gauche. Feeling refreshed. Ah putain, j'en ai sorti. Il faut que tu te calmes hein, dans ces moments-là. C'est sérieux, quel enfoiré. Tu mets la pression là. C'est toi qui explore la nuit et tout, qui commence à partir. Eh bien, on va tuer des mûches. Mais je sais que les derniers jeunes, je les attendais pas. Ah, que ce soit les jeunes ou les loups. Ouais, bah écoute. On jouera plus la nuit, ça c'est fini. Je dors immédiatement. Je mets des trucs à bouffer peut-être. Ouais. C'est parti, je dors. Il est tard hein. Allez, on a réussi. Mais t'as vu, elle faisait pas trop de bruit, on l'a pas entendu. On a vraiment tourné la tête et au moment où on l'a vu, genre c'est super scripté ça. Surprisingly not terrible. Alors on a tout posé. Putain faut trier. Oh on a beaucoup d'herbe. C'est bien. Ok, je vais me faire le truc là. Hop. Alors on avait dit que c'était le gourdin fourmi rouge hein, je crois. Ouais. Ah il a beaucoup d'étourdissements, peut-être qu'à deux on va stun beaucoup de. Ok. Et je vais voir pour essayer de l'améliorer, comme ça on aura. Alors il faut pierre aiguisée fragile, et ça pour les faire il faut. C'est où? Tu les as posés les tiens? Ah, il faut bien les quartz. Ah non, j'ai que mes 4. Dommage. Mais j'ai tout posé là. Non, il y a que 4. Tu les as mis où les pierres? Tu les as... À mon avis, tu les as dans ton inventaire. Encore. J'en ai une. Ah. Quand je fais une sur tout, ça veut pas le poser. Bah oui, si on a nulle part, on en avait pas. Le coffre de pierre, il est là. C'est celui-là. Celui-là devant. Je suis sur lequel je dois poser dedans. Ah putain, ça se fait en direct, ça c'est pas mal. Ok. Hein? Je vais pouvoir améliorer. Putain, on aura déjà plus. Ah, tu voilà, as tout de suite pris. Ah oui, d'accord. Je me suis dit putain, j'avais disparu. Ouais, j'attendais ça, j'ai fait les 4. Ok. Et bien. Voilà. On peut aller tuer de la. Buter de la coccinelle, si tu veux. Pour tenter d'avoir une tête. De coccinelle. T'as eu de la nourriture un peu sur toi? Oui. Ah, j'ai peut-être pour une goutte là. Mais je l'ai prise. Non, il en reste une. Ah, cool. Ouah. Ah, faut rester appuyé. Ah, dommage, il y en avait que deux. C'est bien quand même, pratique en vrai. Ça nous fait gagner, ça nous fait économiser une goutte. On fait quoi déjà là? On va tuer de la coccinelle parce qu'on a toujours pas de quoi faire notre hache. Et après, faudra aller tuer des bombardiers. C'est pas évident. Ça va être chaud. Après, les bombardiers sont peut-être moins forts. On va les analyser de toute façon. On sait où il y en avait loin. Ouais, enfin, ceux qu'on avait vus, ils étaient loin. Il y en avait plusieurs, donc on sait qu'on va aller là-bas. Alors, coccinelle, où es-tu? Viens vers la fourmi. Vers la fourmilière, en fait, elle est toujours. La rouge. Un clip. Ouais, bah évidemment. Pourquoi on fait ça en live? Enfin, je me demande. Merci un thé. Je crois que un thé, c'était une copine. Bah, ça. Ils ont eu proche. Avec ennemi, ami, il n'y a qu'un pas. Ami, ennemi, ami, ennemi.
Je pense. Bah viens, on se balade, on va bien trouver. Hein, de toute façon, on n'est pas encore à la fourmilière rouge. Hein. Si, on a dépassé. Là, c'est la marron. Ah oui. Ah, j'ai entendu. Elle est là. Ah, il y en a une là. C'est la même. Ok. Pas un truc à côté. Oh la vache. Tu peux mettre des coups chargés, ça fait extrêmement mal. C'est long à taper, mais par contre. Oh merde, j'avais lâché mon. Regarde la vie qui est part. Boum. Vas-y, dernier coup. Tiens, allez. Oh, tête de coccinelle. Tête de coccinelle. Ah, tu vois ce que j'ai eu? Ouais. En fait, je vois quand tu découvres un nouvel objet. Ok, bon, il nous en faudrait une deuxième maintenant. Ah bah t'en as pas une autre là-bas? Je vois que les feuilles bougent beaucoup de loin. Ouais, et puis il y en a toujours une qui se baladait autour de ce truc. Comment c'est des grosses fourmis? Ah mais non, mais c'est celle-là à mon avis qui se baladait qu'on a tué. Bah viens, on se balade, on va bien tomber sur une. Peut-être par là, je dirais, moi. Et si on va à droite, tu sais, il y a la zone un peu où faut le masque à gaz, là, qu'on n'a pas. D'ailleurs, qu'on pourra faire, vu qu'on a déjà tué plusieurs punaises. Ah, parce que ça, il nous faut, c'est une quête. Ok, bah cool. Par contre, il faut que je mange, moi. Tac. Je t'autorise. Ah bah merci, c'est un bas. Attends, j'ai un coup de cardio. Attends, viens, regarde vite fait. Attends, c'est dans données. Non, OS. Putain, c'est dans où les mutations? État. Ah, état mutation. C'est quoi mutation que j'ai? Donc j'ai lancier. Lancer de loin. Les lances infligent des dégâts supplémentaires lorsqu'elles sont lancées. Ah ouais, parce que j'en ai tellement lancé. Tu es capable de contrer les attaques ennemies pour envoyer une partie des dégâts. Bonus de maîtrise des attaques de charge avec les lances infligent des dégâts supplémentaires. Ah putain, mais c'est fou. Moi j'ai hache tout. Vitesse de coupe, vitesse de concassage, hyperactivité. Moi j'ai hache tout. Tes haches sont une extension de ton petit corps plein de rage, déchirant l'armure de tes ennemis. Bonus de maîtrise, les attaques à la hache t'appliquent un buff qui supprime le délai de régénération de l'endurance lorsqu'elle n'est pas épuisée. Mon petit corps plein de rage. Mais t'as vu ce qu'elles font ici en fait les fourmis? Ça c'est un biscuit qui a été... Putain, je reconnaissais pas. Un vieux biscuit. Viens Lox, faut qu'on trouve. Au pire, on trouvera peut-être un bombardier, tu vois. Ok. Il y a un poste de recherche. Mais je suis plus rapide. Petite goutte. Toi, je me prends une petite goutte. Il y a des petites araignées, donc c'est pas trop par là. Yo, Rens. Toi, elle est par là. Autour de la branche là. Ouais. T'es où? T'es loin. Je suis là. Je crois qu'il y a un point à mettre ici. Ah bon? Ouais, il y avait écrit un point à mettre à la branche de chêne tombée. Une branche de chêne tombée, ça. Comment on voit où on est? Ah, faut ouvrir la map pour voir où on est. Attends. C'est pas le moment. Les éclater. Putain, tu attends plusieurs en même temps. Je prends tout comme ça je les stack. Bande de cons. T'as fait un stack. Ah non, encore un. Mais putain. Voilà. Branche de chêne tombée, comment vous venez? Bah, je sais pas, sûr. Mais c'est peut-être. Je sais pas si on peut le voir, mais c'est de la logique en fait. On est à la tête de Muscleman. Ça m'étonnerait. Attends, il y a écrit point de repère besoin de la branche de chêne abattue. Ouais, mais c'est une branche de chêne abattue. Oui, mais c'est ça. C'est complètement une branche de chêne.
Faudrait essayer de monter, je pense, au sommet. Enfin, non, et puis voilà. Ouais, ah, on peut passer dessous, Lox, là, je pense. Ouais, mais j'aimerais bien passer au-dessus, moi. Non, mais le truc, rappelle-toi, on peut pas le mettre, faut le trouver. Oui, c'est... bah, je pense qu'il est au-dessus, moi. Il y a une petite branche qui va vers le haut. Attends, je vais monter dessus. Ah, bah, tiens, là, je peux peut-être monter. Alors là, on peut monter facilement, voilà. Oh, j'ai 10 000 connards. Oh, oui. J'essaie de grimper tout en haut. Ah, oh, je peux monter tout en haut. Ouais, voilà, je suis sûr qu'il y a un point au-dessus. Alors. On les voit pas tant qu'on n'est pas à côté. J'ai pas giga l'impression, mais je cherche encore. J'allais tout en haut parce que, ouais, comme tu dis, on les voit pas quand on est très loin. Mais non, visiblement non. Bah, par contre, il y a une autre branche encore plus haute là où t'es, ouais. Ouais, là où t'es. Ouais, voilà, celle-ci. Je vais voir celle-là, moi j'ai mon petit parachute au cas où. Elle va encore plus loin. Ouh, je suis tombé. Chier ces petits acariens là. Un petit peu, ouais. Il y a l'autre, je vais aller voir à l'autre. Merde, mais j'ai utilisé mon shift, merde. T'es tombé ? Ouais. Heureusement que c'est pas fatal. Moi aussi, mais voilà, je suis tombé. Moi aussi je suis tombé plusieurs fois et des fois des belles chutes et je ne meurs pas. Oh, c'était ici. Ah, le boucan. On entend là. C'est les. C'est les larves, non ? Les asticots là. Oh la vache, j'ai envie de traverser, mais il y a tellement d'acariens. Ok, c'est pas ici. Je vais aller voir au bout. Tu sais, ça se trouve, oui. Ça se trouve au bout. Sinon, on aurait exploré un petit truc. Elle me dit qu'il y a de la science. Ah, on peut couper avec une hache. On peut couper avec une hache, Lox, des branches de chêne. Enfin, le bout de la branche de chêne. Mais c'est rang 3, c'est hache numéro 3. Après, il y a un trou, on peut passer sous terre, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai plus de. En fait, je comprends mieux, j'ai plus de voyageurs là, le truc de pissenlit. Bon. Il y a une pomme, bien. Des morceaux de pomme, du coup, je pense. C'en est un. Pomme, c'est une hache rang 2. Ah, il y a une coccinelle, si tu veux. C'est un peu okay, ça qu'on cherche de toute façon. Est-ce que niveau soin, tu es bien? Bon, ouf. Oh, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, GG. T'as de quoi manger? Tu pourras la désigner du coup, tu sais, lui mettre une couleur, un truc qui. Attends, bah je peux. Il faut choisir après l'avoir construit. Je suis la coccinelle, moi, pour pas qu'elle se barre. Enfin, pour savoir où elle est. Et tu me rejoindras après quand t'auras fini. Mais non, mais j'ai pas de. Je sais pas ce qu'il faut. Il me faut une fibre végétale et un trèfle. Ah, bah parce qu'il faut que je redescende, c'est très long. Ah, oui, merde. J'avoue que j'ai pas trop envie de la perdre. Oh, il y a une araignée loup! Mais elle est énorme celle-là! Les araignées loup, sont énormes. Ah oh ah elle m'a one shot! T'es ouf! J'ai de la poule sur un truc, c'est neuf, genre. Elles sont terrifiantes les araignées loup! Mais elles sont terrifiantes! Oh putain! Elle était trop rapide! Je sais pas si tu sais où je suis, où tu me vois ou pas. Je te vois un peu après, un poste de recherche pas loin si tu veux. Mais là je suis dans le coin là. Ok, ok. Oh, bah j'ai 16 secondes, dis-moi si je libère ou pas. Ah bah non, t'es là. Elle est terrifiante. Come on Willow, I need you. I need you. Thanks for saving me. Antéonia. C'est terrible. La petite biquette russe. Ah, mutation détectée, camarade de confiance. Je t'ai résurrecté plus souvent que tu m'as résurrecté. Ah, moi j'ai déjà. Hein. C'est le 1 moi seulement. Avec Adrien, j'avais le 2. Attends, je vais quand même essayer de faire ouais, ce. Attends. Mais j'étais trop mal. Je te jure, ça. Il est où mon point? Ça fait peur, hein. Oh la vache. On s'est tué. C'est chaud. Hein. Ah, les araignées loups, c'est un autre level. C'est un putain d'autre level en vrai. M'attendais pas à ça, hein. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle soit forte, mais je pensais avoir le temps de monter sur le dos de la coccinelle qui était littéralement à 5 cm, quoi. Ah elle est là, la branche. Ouais. Il me faut du coup un truc de trèfle.
Ah putain, j'ai eu peur. Those little spiderlings look so delicate. Elle voyage beaucoup trop en fait, les coccinelles. Hein. J'ai envie de tenter, mais seul, je pense pas que je saurais la faire. Ah, dans deux, c'était beaucoup trop bien d'être. Et il me faut un petit truc. Fibre végétale. C'est des trucs au sol. Ça là, il y en a là. Petites herbes. Et... bon bah, je pense que c'est bon. Bah, moi, j'ai récolté des trucs au pire et je vais prendre un trèfle. Comme ça, si on en retrouve, on doit faire un truc. Bordel, y a des. Non, mais elle avait un repère d'araignée, c'est une conne. Oh, y'a. Ok. C'était par où? C'est là-bas? Je sais même plus où c'était. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. C'était de l'autre côté. Il y a une petite araignée qui m'a attaqué. Elle l'attaque du coup. A mon avis, l'araignée loup, il y a moyen qu'elle défonce la coccinelle en vrai. Ouais, ça a l'air d'être plus violente quand même celle-là. Oula, j'entends des bruits de baston. Ouais, c'est moi, il y a des araignées qui tapent la coccinelle. Mais des petites pisselles. Ah oui, ouais, il y en a qui m'ont suivi aussi. En fait, j'ai fait exprès de me mettre sur son dos pour me balader pour que. Il me faut là encore. Bah, elle les a défoncés en deux. Je mets un point ou pas? Ça? Bah, du coup, ça met un vrai repère personnalisé? Genre, tu vois un repère de. Ouais, après, oui, mais après, faut le sélectionner pour que ça mette un point. Ah, d'accord, donc là, c'est bon, là. On s'en fout, en fait. T'as mis quoi? Bah, je suis comme ça, je sais où c'est, mais t'as un truc qui ressemble à une branche qui pourrait. En fait, vers la branche, là, j'ai vu qu'il y avait masse acarien. Et sur la branche de chêne, il y a un farm intéressant, j'ai l'impression. Bon, j'analyse la tête de coccinelle, j'avais même pas fait. Ok. Ah bah, c'est juste pour là. Bon bah, moi ça nous fait une petite quête. Bon bah, j'ai la coccinelle. On est parti? Ouais. Attends, t'es où? Je te vois pas autour de moi là tout de suite, mais je vais te trouver à force là-bas. Ok, je te rejoins. Il y a de l'argile, je sais pas si j'en prends un peu. Quoi. Un petit peu, ça fait. Ok. Bon, en j'ai pas vu ce que Grisio il a dit. Foiré. J'essaye de te faire apprécier la vie, mais c'est pas fait. J'essaye de te faire apprécier, mais c'est pas facile. Ah oui! Ah, j'adore, vous êtes trop fort. Coucou, je suis là. Vas-y, charge un coup. Reste appuyé sur le clic gauche. C'est la vie qu'on lui a enlevé. Elle reprend de la vie en tapant ou quoi? Oh, c'était one shot. Y'a pas un poste très loin, je pense. J'aurais du mal à 13, clairement. Là que ça fait quick. Un blocage. Ça m'a fait peur. Mom would kill me if I lost this. Aïssen! J'ai chargé mon coup pour la stun quand t'as pas. Oh, ça va, on s'en sort pas trop mal. Hein. Ouais, ça va, ça va. Quand on a la bonne arme. Hein. Et ben on est bon. Bombardier now. Mission où? Bah, en vrai, je pense qu'on est pas très loin parce que tu te rappelles, on était par là. On était passé par là. Je me rappelle plus où ils étaient. C'est la maison sur la droite, comme ça, bah, diagonale, par là. C'est là, vers. Vers la diagonale. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait la maison. Alors, on est devant la maison. Donc, c'est pas très loin de la maison, Pierre. On sait que. En y allant, on va au bon endroit. Alors, par contre.
Attends, faudra de la bouffe. Hein. On va devoir, à mon avis, on va devoir dormir. On va peut-être devoir construire un petit bivouac et dodo. Locksonnet. Récolter des trucs et faut récolter du trèfle. T'es avec nous, Locks? Bah ouais, moi je mange. Moi j'avais dû manger, moi c'est à boire, ça va être plus chaud. Ouais, ça on trouvera des gouttes au réveil, je suis pas merde. Aïe 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 aïe. Attends, je vais pas aller plus loin. Ah mais t'as mis un point. Appuie sur X et fais clic droit. Ouais. Keeping time. Si. Ouais. Du coup je pose. Faudra mettre des bivouacs là-dessous. Toi tu fais quoi? Ça, voilà. Hop, j'en ai mis deux, c'est bon. Et je t'en ai mis un aussi. Voilà. Il faudrait créer un truc pour crafter le point. On est trop réveillé. Ouais, bon, je prépare. Ça, hop. Merde, il faut plein de trucs. L'herbe sèche. Bon, ça va n'importe où. On voit le manche à Jay. Il n'y a plus clair. Ah oui, t'as trouvé, c'est bon. Ok, parfait. Putain, mais c'est vrai qu'on peut pas. Attends, il y a un asticot là. Ah oui. Meurs, Vilastico. Je peux pas le manger. Oh! C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une luciole, non? Attends. Ah ouais, on devrait peut-être l'avoir. Luciole, ah peut-être qu'on devrait. Ah, il a dit que. Faiblesse empalée, donc les flèches. Empalée les fesses là. Attends. Ouais, ça lui fait des dégâts. Correct. Oh, j'aime pas la gueule comme elle arrive là. Avec les yeux rouges, ils ont vraiment abusé avec ça. C'est bien comme ça, on s'en rend compte. Ah la vache! C'est bon, on éclate. Et voilà! Elle est pas morte, hein? Ah voilà. Ouais, on était sur la fin. Ah! Truc à la je l'ai, Louise. Ok, écaille hérissée. Je récupère un peu les flèches. Ouais. Ok, c'est pas mal tout ça. Mais il faut de la bouffe. Surtout que j'étais en. Oh, c'est un bombardier ça! Oh, il y a un bombardier! On tente le coup? Ok. Il sait quoi leur faiblesse? Je sais pas, attends, je l'ai. Coupe, coupe, hache, concasse, résistance, concassage. Okay. Donc là, il faut pas. Moi j'ai une dague, je prendrai la dague, je pense. Non, mais attends, ils sont deux là, si j'attaque, ils vont venir à deux en fait. Je sais pas, ils attaquent ensemble? Ah, je sais. C'est possible. Ouais, ils ont une chance en vrai. C'est bon, j'ai né un gros 1. Un seul? Pense. Je trouve ça moins effrayant un bombardier. Mais il est où? Il s'est barré. Il en a rien eu à péter. T'as tiré un truc et il s'est barré. Ok, il y en a deux là quand même. Ah ouais, je retire ce que j'ai dit, ça a l'air. Il a touché? Ouais, il m'a jeté de la merde. Il se recule. Oh là là, mais c'est trop chaud. Tiens. Les flèches, c'est correct. Oh, il y a le deuxième qui m'attaque. Non, mais sans déconner. Je kite un peu, je te rejoins. Ça fait mal quand ça te touche. Ouais. J'ai plus d'endu. Yes. Ok.
Bout de bombardier, glande calorifique, c'est sûr. D'accord. 3 bouts de bombardier, bon, je crois que ça veut dire qu'il faudra en tuer que 2. Ok. Parce que il me semble que c'était. Enfin, t'as con. J'ai combien de flèches, moi? Je sais pas, je mets 9 là. Ouais, on récupère les autres. Allez. Je t'enfilerai au pire. Je suis en verte. What? Attends, je le prends. Faut te filer un stack de 15. Ok, viens, on va à notre bivouac. Hey, dormir, I'm gonna vas-y. Fall asleep standing up if we go much longer. Ok. Ouais. On mange. Ouh, ça va, on avance là. J'ai vu en bas à droite notre campement. Ah, c'est trop bien. Oh, j'ai rien à bouffer. Ah, ça a pourri. Ouais. Je vais... Ah, mais ça va, j'en ai. Attends, j'en ai 2. Hop, 2, c'est pas beaucoup. Hein. En fait, je pense que la couleur elle est passée verte. Je sais pas quoi, c'est quoi, c'est passé la nuit. Je pense. Je sais pas, ouais, je pense. On peut pas les bouffer, les acariens là. On en a masse. Ça, j'arrête pas de tousser. Une horreur. Ah, y'a un asticot. Je crois qu'il y a de la. Ils ont de la chair. Putain, il a disparu sur. Ouais, j'ai trouvé un petit truc, du coup j'ai pu remettre à cuire un truc. Maintenant de l'eau. C'est bon, j'ai de la chair d'asticot. Attends. Il y a. Hop là. Ouais, moi aussi j'en ai super. Nickel. Bon bah c'est bon, on sera bien. Il y en a une qui est prête que je peux manger. Ouais, celle-là et je remets celle-là. Ok, nickel. T'as trouvé de l'eau aussi, mais je trouve une goutte. J'ai pas trouvé d'eau, mais j'en ai pas cherché. Ça se trouve très vite, je pense. Vu toute l'herbe qu'il y a, ouais. Those aphids look like they have things to do and people to see. Une goutte, ok, c'est pas mal. Une deuxième histoire. Il y a un truc qui m'attaque, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est là. Ah. Oh, mais comment elle me saute dessus. On est où là? Putain, il y en a deux. Ouais, pourquoi il y en a deux? Le gourdin est pas mal. Tiens. Connasse. Ils ont de la chair au moins. Elles ont. Ah non, mais tes épis. Après, c'est bien des têtes comme ça, mais pas beaucoup. Bon, par contre, ça me fait chier, je voulais fabriquer. Est-ce que je peux me faire des soins? Chier de niquer de la bouffe. Ouais, je peux me faire un soin. Consommer. Bon, on a plusieurs trucs à analyser. Hein. Ok, on est pas mal. Non, encore une. Derrière toi. Tu m'as éclaté. Hein. Ah non, c'est 3. Il y en a 3. Ouais, moi, j'étais pas là, moi. Bon, on se casse. Chut. Ouais, j'avoue. Ah, oh, il casse la branche où je suis dessus. J'en ai tapé une pour qu'elle vienne sur moi. J'en peux plus à 100 000. Où que j'aille, j'en trouve. Je fais que fuir depuis tout à l'heure et j'en trouve plein. Je suis en train de venir vers toi. En
fait, le coup, le triple coup là, tu sais, qu'on met, il est très violent quand il spam clic gauche. Je m'approche de toi, essaie de venir vers moi en les contournant. Putain, il y en a d'autres. Ouais, ouais, non, mais vraiment, j'essaie de contourner constamment et j'en froisse d'autres. Ça rend un peu ouf. Je suis coincé. Qui a même pas mis de point de respawn, je crois. Je sais pas très loin, je pense que je peux venir te reste, non? Ah, bah, je sais pas, tu m'as pas dit. Ah oui, beau. Je suis en train de me battre, je peux pas concentrer quoi. Oui, bah c'est pour ça que je me suis dit qu'il était peut-être pas dispo et du coup j'ai. Bon, je pense que je les ai tous tués. Mais ils sont horribles. Par contre, mon armure elle est toute pétée, moi. Ouais, on ira la réparer. Bah en fait pour la réparer il faut des trucs de fourmis. Ouais mais on en a plein à la base. Okay. Bon on se fait le... De toute façon ils sont pas trop chiants les bombardiers, enfin c'est de l'arc quoi. Oh il y a une araignée loul. Et on mange les cadeaux. À côté. Je tape le bombardier, je commence. T'as cherché un de ces cadeaux. What? Il y a eu un bug. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug, il était projeté super haut parce qu'il s'est bloqué dans un dans une texture qui. Ah. Tu sais, le fameux sauvage, il a perdu la moitié de sa vie en retombant. Trop bien. Je veux me dire qu'il soit pas mort, franchement. Il a perdu, je vais pas envoyer grand chose encore. Fais gaffe, il y a l'autre juste derrière. Pour moi. Allez, ça dégage. Nickel. Et merde 2. Non. C'est des bâtards. Ils nous ont manqué un du coup. Ah ouais? Ouais. Les démons des enfers encore. Il y en a un autre ici. Oh, et les acariens, ils l'attaquent. Non, mais ça fait pas très mal un acarien. Ouais, mais ils sont plusieurs. On y va? Attends, bah, ouais, vas-y. Ils sont quatre dessus. Oh, ils les défoncent. Ouais, je pense. Ouais. Bah, surtout qu'ils tirent une flaque, c'est fini, non? Ils t'attaquent déjà? Non, c'est bon, ils m'attaquent plus. Ouais, il a pas pris grand chose. J'ai tenté de lui mettre un coup, j'aurais jamais dû. Attends, mais ils sont deux? Mais non, mais il y a ce connasse! Attends, je suis obligé de me faire la larve, Lox. Ah, elle m'a tué. Bah... Mais... Ah non, c'est lui qui m'a buté! Oh merde! Je suis coincé. Ah, ça dure. Tu l'as tranquille, au pire. Avec ta. Ah non, il vient vers toi. Il vient vers toi. Bon bah kite. Allez, putain l'endu quoi. On va te lâcher je pense à un moment. Il t'a lâché lui, déjà. Je peux tenter de me rester à 17 secondes. Non, mais il va pas sur lui. Mais non mais je le voyais pas en fait. Je vais pas sur lui volontairement. Hein. Oh, nice, il s'attaque. T'as le temps de me rester. Non, tire pas. T'as le temps de me rester. Je me suis dit merde. Oh là, toutes les boules qu'il a tirées. Il faut jamais être au corps à corps de ce truc. Attends. Ouais, non, j'assiste la truc. Hein. S'il nous attaque, nous, elle pourra continuer à l'attaquer. Bon, vous doutez que ça durera pas. Fais gaffe, t'as une flaque derrière toi, ouais. Faut que je bouffe. Voilà. Je ferai pas one shot si je fail. Attends, pourquoi les stuns, la fourmi? Elle était peut-être dans son zone. Oh attaque-moi, putain! Attaque-moi! Une fourmi qui t'attaque? Ouais, venez sur moi. Moi, je suis tombée. Au sol. Il a pas beaucoup cette de zone est trop faire. Chiante, quoi. Il m'a tué. Putain. Oh! Non! Il était tellement low. On est obligé de reste.
Trop dur. Ah, ce qui fait chier, c'est les milliards de petits trucs nuls là. Ouais, il y a beaucoup trop de larves ici. Elles surgissent de n'importe où, tu sais même pas pourquoi. Surtout que c'est infini, je connais plus. Enfin, bah ouais. Si par exemple on se lève un jour, on tue toutes les fourmis du fourmilière, il n'y en aura plus. Hein. Pourquoi elles sont infinies, elles respawnent un peu. Bah, c'est même pas les fourmis, c'est des larves, genre. Pour... Ouais, ça n'a pas de sens. Oh, elle a une vieille larve. Putain, mais elle peut te toucher quand tu rannes à fond en plus. Hein. Oui, elles sont rapides, elles sont plutôt résistantes. Et elles ont un dash. Elles ont un dash et puis elles sont mobiles. J'ai récupéré mon truc. Par contre, faut que je récupère les flèches. Oh, y'a le bombardier. Y'a une larve. Cassez-vous, putain, mais viens vers moi, direct! On peut faire largement et taper avec ça. Ok, vas-y. Bon, on se fait le bombardier, on se tire. Après, j'ai plus de jus, quoi. Je vais manger un truc. Et boire un truc, c'est... T'as un bandage ? Non. Est-ce que je peux m'en faire un ? Moi, je peux t'enfiler un. Mais en vrai, bah j'ai ma bouffe qui est middle. Ah ouais, ça va. Tiens, je te redonne des flèches, tu vas pas en avoir beaucoup. Je les ai mises par terre. Oh, il est juste là. Il est juste là. Ouais, je l'ai vu en arrivant. Bon, de loin. Comment ça? Attends, tu voulais pas attendre 2 secondes? Bah, j'ai pas le choix, il m'a attaqué. Ah, d'accord. C'est quand je suis juste pas. J'ai juste passé la tête de la colline. Bon, non, prends ta distance. J'essaye de bien mettre derrière les herbes au moment où il tire, il foire ses tirs. Ouais. Ouah, genre il me rush comme ça. La vache, il est rapide. Pourquoi il me suit comme ça si vite? Il est un peu coincé, je crois là. Pas du tout. La vache. Allez, ça décède. Je te laisse le loot. Dis-moi que t'en as eu. Bah, de toute façon, il y aura forcément moins. Non, je te laisse le loot, tu vas stacker. 3, ok. Bon. Bon, eh ben, c'est bon, mais ce qu'il faut là. On a atteint notre objectif. Même si ça fait du. Tu perds un peu les flèches, les épées. Ouais, c'est ce que je fais là. Et on est là, je partis un truc intéressant. Fermez-la, les fourmis. C'est bon. Ça va bien là. Allez, on se casse. On a trop marre. On en aura chien. Ah, une flèche. C'est le bon bail, l'arc, les bombardiers. Parce que corps à corps, j'ai vu quand la larve l'attaquait. Après, on peut être le stun, mais je sais même pas ses sensibilités, moi. Ah non, c'était la hache. Il est résistant au concassage, donc tu peux, mais j'imagine que genre il faut plus de coups. Quoi. Ouais. Après, voilà, faut imaginer que le jeu il est un peu design pour 4 joueurs. Peut-être que malgré ça, avec... c'est vrai qu'à 4, quand même, ça serait plus petit. Hein. Ouais, t'as pas. Oui, parce que le nombre de mobs ou leur vie, j'ai pas l'impression que ça change donc. Non, je pense pas qu'il y ait de scaling. Nombre de mobs, c'est sûr. Leur vie, j'ai pas l'impression. Prends un peu l'argile au passage. Moi, je me baigne un peu au passage. Il y a une punaise d'eau là. Il y avait une punaise d'eau dans ce truc. Ouais, mais c'est pas grave, elles sont pas. Bah, on sait pas, des fois elles attaquent, tu m'as dit. Oui, mais c'est pas grave, elles sont pas dangereuses. Elles font pas très mal. Remarque maintenant que j'ai vraiment pas de vie moi. Donc je sais pas si un ou deux coups, un coup pour peut-être me tuer. On a réussi. Et tout ça c'est grâce au chat.
Ouais, merci le chat de faire des clips. Vous êtes trop chou. On en reparlera ça. Autant témoigner à Fernalu qui sont à fond. Bravo à vous. What the fuck? Tout plein de trucs ici. Des larves quoi. Des merdes en fait. Attends, il y a un buisson épine. Viens, on prend un peu d'épine. Ah, c'est ça que t'appelles le buisson épine! J'ai dit, c'est où les feuilles sont pointues. Je trouve que ça parle bien. Oui, mais je. En fait, j'appelle pas ça un buisson. Moi, je cherchais vraiment un buisson. Non, mais je t'avais dit, je t'avais pas dit un buisson, j'ai dit une clé. Ah, tu dis tout le temps un buisson. C'est pour ça, moi, j'étais là. Attends, c'est un gros truc du coup. J'ai dit non, c'est un genre de plante, mais c'est pas le roseau. Ah, bah oui, je me doute que c'est pas le roseau, oui. Bah, c'est pas le rosier, pardon. Ah, oui, voilà. Bon, c'est bon, j'ai pris, ça ira. Juste histoire d'avoir un petit. Ouais, moi, je m'en vais. T'es là. Allez, putain! En ouf, je me coince partout. Ok. Par où qu'on va? Pas la maison? Oui, c'est par là. Oh, fermez-la tous. Putain, les acariens de ces morts! Horrible! L'autre, t'en verras chez toi, tu vois. Tiens! Sale bête! Mais c'est tellement minuscule, les acariens, c'est plus des puces. Ouais. Je vois pas les acariens. Bah, c'est comme la punaise d'eau, je crois que c'est vraiment tout petit en vrai. C'est... Ou la puce d'eau, pardon. La puce d'eau, je crois que c'est vraiment tout petit. Oh, une goutte! Je la veux! Bouffe ta goutte, moi j'en ai une autre là. Oh, il ne donne pas. Ah oui, c'est du soda, non, c'est pas ce qu'elle me. Et celle du jour, au pire, hein, vous êtes dans le truc. Moi, je sais pas si elle a besoin de l'argent. Bon, c'est un peu pratique, mais. Du don, une fourmi bloqué. On est bloqué. On a voulu t'accéder dans les coffres. Est-ce que t'es passé par au-dessus? Non, je prends de la bouffe au passage. Piou. Ah, j'ai tout rangé. Un N et tac, tout est rangé. Trop bien. Maintenant, par faut crafter les trucs. Vrai, ouais, mais après, petite erreur, il faut que j'aille analyser ça. J'ai trois trucs à analyser. Ah oui. Quatre même. Bah, on va au labo, on va boire. Ouais. Attends, moi faut que je mange aussi. Bah ouais, j'ai pris de la bouffe. Ok. Que je te disais. On se donne rendez-vous au labo. Ah, et là dans ce truc il y a trois araignées loups, mais alors ça c'est ultra in-game ou quoi? Bah, tu mets des pièges, tu sais pas. En fait il y en a que deux, mais j'en ai vu trois dans cette zone, donc il y en a une autre qui doit tu être ailleurs. Qu'il y avait trois. Oui, alors voilà, je répète sauf... exactement ce que je viens de dire. Il y en a que deux dans cette caverne là, mais il y en a trois dans cette zone, parce que j'en ai vu trois. Voilà. Dit quand même. Mais le truc c'est que ça se trouve il y en a une qui est au-dessus, là, qui dort, genre. Ouais. On le voit pas, c'est une autre. Possible. Enfin, fabriquer des palmes et tout, on avance pas trop. Hein. Enfin, remarque, on avance dans... aussi sur ce qu'on a fait. Bon. Ah. Bon, j'ai mangé des trucs qui cuisent, tu peux les prendre quand tu y vas. Et je vais chercher de la flotte. En fait, on avance en termes d'équipement, quoi. On n'a pas le choix. Bah après, c'est une étape obligatoire. Hein, puis même, bon, améliorer son staff, c'est quand même cool. Mince, il est pas... Oh mince, j'ai enlevé mon... Ah, il me faut un truc de pissenlit, j'ai trop pris l'habitude. Quand tu mets un coup de bourre là, quand même. Et t'as vu
le gourdin, en fait, c'est une série de 3 coups et le troisième coup est assez violent. Ouais. Il fait plus mal. Mais punaise, t'es en animation pendant un quart d'heure, quoi. Ouais. Comment t'as tout analysé? J'ai oublié. Je vais juste aller chercher de l'eau. C'est génial. Allez, on est reparti. En plus, moi, j'ai vidé mes poches, du coup, les peu de trucs que j'avais loot, je me sens plus. Ah, t'as surtout les trucs un peu nouveaux. Mais c'est toi qui les avais, ouais. Ah, j'aime bien quand on est utile. Les allers-retours, toujours un plaisir. Et j'ai faim en plus. Du coup, j'ai la moitié de mon endu. T'as soif, endu? Non, non, soif, je suis à fond. Ah ouais? Ah oui, non, c'est vrai, les deux en fait. Ouais, les deux, c'est ça. Dès que t'en as un pas très élevé. Je t'ai dit en plus quand j'étais allé au Labogénie, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Alors, allons-y, allons-y. On analyse ça déjà. Donc alors il fait. Yes, science. Ok, pas très intéressant. C'est quoi? Bah le bout de bombardier, je pense. Parce qu'après il faut que je. Il y a une dernière analyse, mais du coup j'aurais pas. Séchoir à viande. Horloge à pendule. Et je l'ai. Oui, Kai, ça a l'air. Okay. Comment. Est-ce que si je répare ici, ça va fonctionner? Je crois que je vais peut-être prendre les armures en blanc. Je vais pas me faire chier à réparer en fait. C'est bizarre ce truc, je le comprends pas. Moi aussi, je comprends pas ce bruitage. Je vais arrêter la VOD d'ici, des bisous VOD. Je refais une quand on part à l'aventure. Bisous.